Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et je profite de cette éclaircie entre plusieurs averses, parce que ça aussi, ça fait partie de la vie, des journées ensoleillées, des journées grises. Eh bien, j'avais envie de vous amener sur cette comparaison. Et vous voyez ici, je suis sur un trampoline. Eh bien, en fait, parfois la vie, c'est ça. Il y a des rebondissements, il y a des hauts et il y a des bas. Des fois on monte, des fois on redescend, des fois on monte, des fois on redescend. Et l'important, c'est de savoir retomber sur ses pieds, retomber sur ses pieds et de savoir rebondir. Et comment on fait pour retomber sur ses pieds, pour savoir rebondir? On pourrait vous donner trois choses. C'est mettre le focus sur ce qui va bien. Voir l'opportunité, en quoi ça va me faire grandir, en quoi ça va me faire évoluer, en quoi ça va me faire rebondir. Et numéro 3, et c'est peut-être la première chose, c'est déjà accepter bah, que parfois ça chute, que parfois ça baisse, que parfois bon, on tombe. Et ça, ça va nous permettre de nous mettre en route pour pouvoir nous relever et rebondir à nouveau vers l'infini et au-delà, comme dirait un grand poète contemporain. Je vous laisserai deviner qui, dites-moi là en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vous avez la ref ou pas. Allez, je vous laisse avec ça. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres rebondissements avec Raphaël Gigante, coach thérapeute et pratiquant méditation et pleine conscience. Bye.